Oh! Oh! Bonjour Fabrice. Oh, salut Yves. Tu sais qu'on a rendez-vous là? Oui, j'ai pas oublié. Mais justement, c'est pour les terrasses. Oui, c'est ça. Eh ben écoute, je suis en train de te finir une petite maquette là qui va te permettre de comprendre le truc quoi. D'accord, bon bah on va sur le terrain alors. Eh ben c'est parti. C'est parti! C'est parti. Donc ici, ben, comme tu le constates, c'est tout plat. Les altitudes, ici, on est entre 30 et 40 mètres d'altitude, a priori, d'après les cartes IGN. Et là, on va aborder la grande descente, hein, la piste noire du secteur. Et voilà la rupture de pente très nette, hein, entre la plaine d'inondation actuelle et là-haut une ancienne terrasse alluviale. Donc là on est sur la plaine alluviale du Loir. Alors comme c'est inondable, les hommes ont construit une route surélevée. Pouvoir traverser toute cette zone. Là, on a l'impression que c'est un peu la mer, là. C'est assez joli. Voilà, on traverse le Loir. Le cours de Loire, il est là, normalement. Et nous voilà à Briolet. On va aller à Briolet. Je vais faire un profil topographique. Alors, je prends un peu de recul. Donc je vois que sur le côté droit, j'ai une clé anglaise et je vais prendre mesure. J'ai un onglet, c'est celui-là que je vais utiliser avec vous, là, c'est établir un profil altimétrique. Donc je choisis et je vais choisir de le faire de là à là. En abscisse, la distance d'un point à l'autre. Hein, donc là, je vois que mon profil que j'ai choisi, il fait à peu près 6 km. Et également l'altitude sur le côté gauche. Donc là, au maxi, dans ce secteur, sur mon trait de coupe, j'ai du 50 mètres. Donc sur la partie gauche, je vois que c'est dans la partie nord-ouest. Et la partie droite, c'est le sud-est. Alors l'avantage, c'est que je peux suivre les lieux où je suis en fonction de l'altitude. La fameuse marche d'escalier, elle est là, la marche d'escalier. Ici, là, tac. Alors ces marches d'escalier ici, là, ces marches d'escalier entre guillemets, là en l'occurrence on va appeler ça des ruptures de pente. Ces ruptures de pente, il va falloir essayer de les comprendre et pour ça, ça passe par le terrain. Qu'est-ce qu'on fait là? On fait de la géole. On fait de la géole. Non mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est naturel ça devant là? C'est une ancienne carrière en fait. Et puis là on est en train de profiter de ce qu'on appelle l'après-carrière. Donc on fait du sport autour. Comment on peut le savoir ça? Ce que c'est comme caillou en dessous là? Oui. On déblaye un peu le sol et puis on va essayer de voir en dessous. Ouais voilà, on va regarder. Voir s'il y a un affleurement aussi peut-être. Là, il n'y a pas beaucoup d'affleurement de lieux où on peut voir les roches. Donc là, il y a une solution, c'est de creuser. Alors pour creuser, tu peux le faire à la pioche, à la pelle. Et là, j'ai un instrument qui s'appelle, tu connais ce nom-là? Tarière, je crois. Tarière. Alors cette tarière, il en existe plus de différents modèles. Moi, j'aime bien celui-là. En plus, je peux la séparer en deux. C'est plus facile à transporter. Alors pour utiliser la tarière, c'est simple, il suffit de planter le bâton. Monsieur Duss, ce qui ne va pas, c'est le planter de bâton. C'est à cause des arbres. Et on tourne. Et ensuite, on tire. Et on regarde ensuite la nature de ce qui est dedans. Tu vois, tu es tombé sur des graviers. Mmh.
Une astuce sympa pour savoir si un fragment de silex est non usé ou émoussé, c'est de le frotter contre une feuille de papier. Testons ce fragment de silex. L'autre. Voilà le résultat. Ici, ce fragment de silex déchire le papier. L'autre ne le déchire pas. Ici, un fragment de silex non usé. Ici, un fragment de silex émoussé. En géol, c'est intéressant les terriers aussi parce que lorsque tu veux savoir ce qu'il y a dans le sous-sol, soit tu trouves un affleurement, soit tu demandes aux hommes de faire un trou avec une carrière, par exemple. Soit tu prends ta pelle, ta pioche et tu creuses. Soit tu fais confiance aux animaux et tu leur proposes de faire un trou. À ta place. Oui. Alors là, je n'y ai pas demandé. Je ne sais même pas quelle bestiole c'est. Mais là, on analyse un petit peu ce qui est au niveau du trou. Et là, bah, je retrouve les mêmes éléments que tout à l'heure. Ils ont l'air d'être arrondis ou subarrondis un peu tous. Oui. Alors c'est marrant, mais chaque fois qu'il y a des trous comme ça, des terriers, on reste sur des sédiments meubles, hein, type sable, sablé, gravier. J'ai rarement vu autre chose, quoi. Quand on voit rien, comme ici, hein, bah, c'est de trouver des astuces pour trouver une piste. Derrière du dépôt, ce silex. Donc là, les questions qui vont venir à l'esprit, une fois qu'on aura identifié la nature des roches, bien, on aura des questions sur le mode de transport de ces éléments, de leur origine et du milieu de dépôt. Et c'est là que tout à l'heure j'ai lâché le mot de alluvion, hein, mais il faut que je le prouve. Alors je ne vais pas le prouver uniquement avec un coup de tarière dans une carrière comme celle-ci. Hein. Il faut le prouver en observant des vrais affleurements. Et encore une fois, bah, ça fait partie de notre travail, c'est d'essayer d'en trouver. Et c'est ce qu'on va chercher. Oui. Bon. Parti, on y va ? Comment je fais quand je suis dans un endroit comme celui-ci ? Bah, soit je prends la pelle, la pioche, je prends la tarrière, ouais. On a évoqué. Sinon, étant donné qu'ici, il y a eu du travail de fait au niveau de ces vergers, eh bien, on constate qu'il y a quelques roches qui apparaissent. Et si tu regardes bien, voilà, si tu prends cette terre dans la main, tu apercevras qu'elle contient pas mal de grains de sable. Elle est crisse, là, oui. Elle est granuleuse. Et on voit également, dans cette même roche, des éléments, des graviers. Et même des galets. On va appeler ça, mais entre guillemets, des pierres volantes. On appelle ça des roches résiduelles. L'analyse des éléments qu'il y a dans ces vergers ici nous permettrait de donner des hypothèses sur l'origine de ces sédiments. Et là, on est probablement sur du fluviatile ancien. Alors, qui dit fluviatile dit cours d'eau, hein. Oui. Et là, bah, tu vois un cours d'eau, toi. Je ne vois rien du non. tout. Alors, il y en a un, il est par là-bas, ah, et oui. C'est la Sarthe. Donc c'est probablement ici une terrasse alluviale. Ce que je te propose, c'est qu'on aille vérifier ça sur le front de taille, là, le long d'accord. de la route. Je suis sur le bord de ce talus, là. Alors, il faut faire attention, parce qu'on est quand même sur une borne de route. Et là, j'ai un petit truc. J'ai suspicion d'affleurement. Et en effet, quand je tire, j'obtiens un bel affleurement, là, avec quelque chose d'assez... Bah, pas très bien consolidé. Et avec la loupe, on voit très nettement plein de grains de sable. Et à l'intérieur de ces grains de sable, eh bien, on peut voir des éléments un peu plus grossiers, des petits graviers. Et des graviers essentiellement bah, de silex. On est ici sur un affleurement de sable et gravier. Et ces sables et graviers, ce sont des anciens dépôts d'alluvions. Alors après, tout ça, ça se vérifie. Ça se vérifie comment ? Bah, en faisant un prélèvement et en le tamisant, par exemple, au laboratoire pour en connaître la taille des éléments et également pour regarder tout ça à la loupe, hein, tranquillement, pour analyser la nature des éléments qui constituent cet affleurement.
Donc le parallèle avec le verger de tout à l'heure, c'est qu'ici, on a un vrai affleurement. Alors que là-bas, ce sont des roches résiduelles. Donc ça, c'est une vraie pièce de puzzle. Et c'est une pièce de puzzle qui permet de construire la carte géole du secteur. Qu'est-ce qu'on va y trouver? On va y trouver des données de sondage réalisées par les particuliers. Alors la banque du sous-sol, vous la trouverez dans choix des couches. Et vous avez ici dossier du sous-sol, B2S. Là voilà. Alors vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous là. Soit vous ne savez pas quoi choisir et vous prenez tout. C'est la case qui est le plus en bas. Sinon, moi j'avoue, j'aime bien les données de sondage où j'ai quelques informations géologiques. En effet, lorsqu'on fait un sondage, ou qu'on fait faire un sondage, alors généralement, c'est les sondages qui sont à plus de 10 mètres de profondeur. Quand Jean-Paul il fait un trou dans son jardin, on ne va pas le mettre dans la B2S. Bonjour Jean-Paul. Quand vous avez des professionnels qui viennent chez vous pour faire un trou pour un forage d'eau, par exemple, ils vont faire un petit rapport qu'ils vont devoir envoyer au service du BRGM. Alors, qu'est-ce qu'il y aura comme information sur ce rapport? La localisation exacte du trou qui a été fait, la date, également la profondeur, et les raisons pour lesquelles vous avez fait ce trou-là, quoi, le forage d'eau, voilà, forage géotechnique. Quelquefois, on a des informations géologiques. Alors, il faut les prendre plutôt avec un peu d'esprit critique, encore une fois. Je veux dire, les gens qui font les forages sont des spécialistes des forages, mais pas forcément des géologues. C'est-à-dire que les termes qu'ils vont utiliser pour décrire les roches qu'il y aura dans le forage ne sont pas forcément des termes purement géologiques. Donc un schiste, par exemple, peut avoir une signification pour un géologue et une autre signification pour quelqu'un des forages. Des personnes du BRGM ont validé ces coupes. Alors c'est ce qu'on appelle les logs, L-O-G, hein, qui veut dire... En fait, c'est un anglicisme qui signifie la succession des roches sur un axe vertical. On appelle ça aussi en français une colonne lithostratigraphique, ce qui est très joli. Si vous cherchez les prénoms pour vos enfants. Ces logs validés sont accessibles et disponibles sur la banque du sous-sol. Ouais, on va aller voir ça. Alors moi, je vais chercher donc les ouvrages qui ont des trucs de géol. Alors le mieux, ce sont les géologies vérifiées. Alors il faut se méfier quand même, parce que c'est pas parce que ça a été vérifié par le BRGM que ça y est, c'est bon, on peut le regarder les yeux fermés. Alors tu veux qu'on aille où pour voir ça? On va aller côté de Briolet, là. Allez, Briolet. Tac, c'est parti. Et Couflant. Ouais, bon, les deux sont à côté. Alors voilà ce que j'ai. J'ai donc des petits carrés marron, jaune avec du noir et jaune vide. Si je veux savoir ce que c'est, je vais dans la légende. Et je m'aperçois que le marron, c'est les ouvrages avec géologie vérifiée et documents. Pas mal ça, hein? Ouais. Bon, on va voir. Allez, on s'en prend un, vas-y, dis-moi lequel tu veux qu'on analyse. Alors, j'arrive. Voilà. Alors, j'arrive. Parce allez. Que là, il y a du choix. Allez, il y a information. Ouais. Et après, tu voilà. Cherches celui que tu veux. Là, il y a un identifiant national, tu vois, c'est bien. Ça, la dernière fois, tu m'as demandé. Ouais, tu m'as demandé comment je classais mes trucs. Oui. Bah, eux, ils ont B2S001, etc. Quoi. Un ancien code, parce que, bah oui, il y a toujours un nouveau, un ancien code. Après, qu'est-ce que c'est? C'est un forage. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme information? Après, il y a la profondeur. Alors, combien il fait celui-là? 30 mètres. Voilà. Ouais, un point d'eau, oui. Ça veut dire qu'en fait, c'est un forage qui a été fait pour l'eau. Ah, d'accord. Et service, fiche détaillée, hop, c'est super. Parti. Super. Tu as une carte, alors c'est une carte IGN, qui permet de savoir que le forage il a été fait ici. Et puis tu as les coordonnées, tu vois, GPS. Ah ouais. Coordonnées Lambert. Ok. Tu as l'altitude aussi. Ouais. Bien. Trop classe. Ensuite, alors, localisation, description technique. C'est un forage qui a été fait en 55. Tu veux voir, hein, ça t'intéresse ça? Ouf, non. Non. D'accord, aller tu t'en fous. Direct. Donc là, on a un log géologique numérisé. Donc là, tu as trois infos. La profondeur, tu as marqué afficher le log validé. Voilà. Vas-y. Alors là, c'est la même chose, sauf que qu'est-ce qu'il y a comme plus comme information? Est-ce que c'est mieux, moins bien? Lithologie, voilà. On l'a vu tout à l'heure. Oui, exactement. Mais c'est plus précis, là, a priori. C'est plus précis.
Stratigraphie, on l'a vu aussi. Ouais. ASC aussi, plus précis. Tout à l'heure, il y a marqué quaternaire, basta cosi. Hein. Et puis là, il y a marqué anti-quaternaire, je crois, tout à l'heure. Alors, Je te laisse continuer. Ouais. Alors, bah oui, tu l'as dit tout à l'heure, on retrouve nos grands F, là. Là, FZ, FY. Bon, bah, c'est classe. Tu m'as dit tout à l'heure écouflant. Écouflant, oui. Tiens, bon, on va en faire un ici, là. Pof. Alors, je suis toujours sur I, hein. Là, j'en ai deux qui sont à proximité. Il y en a un de 24 mètres et un de 33. Tu veux lequel? 33. Allez, hop. Alors là, bah, profondeur, donc jusqu'à 33 mètres de profondeur. En altitude, jusqu'à moins 12,50 mètres. Donc, comme tout à l'heure, apparemment. Et je m'aperçois qu'ici, j'ai des remblais. Je retrouve mes F, Z, Y. Et en dessous, bah, c'est le socle, en fait. Hein, c'est le bryovérien. Sur cette maquette, j'ai matérialisé par des ronds, alors des graviers et des petits points plutôt du sable. Donc on remarque qu'il y a plusieurs niveaux où on va trouver du sable et ça correspond à des zones relativement planes. Donc une dans la partie supérieure, une deuxième ici, une troisième, une quatrième et enfin une cinquième. La cinquième étant les sédiments les plus fins et qui caractérisent en fait la plaine alluviale actuelle. Le socle, lui, c'est tout ce qui est sans petits points ici. Donc ça peut être n'importe quel type de roche, soit des roches du bassin de Paris, soit des roches du massif armoricain en ce qui concerne le Maine-et-Loire. Alors maintenant, je vais te reconstituer cette maquette complètement. C'est-à-dire je vais essayer avec les autres bouts de bois qu'il y a là, je vais refaire le puzzle. Donc bah, tu vas venir m'aider. Et le petit dernier. Là. Ici. Voilà, on va le retourner. Alors ça va faire surprise. Tiens, tu me donnes un coup de main. Surprise. Et voilà. Vous êtes bluffé là. Ah bah oui, c'est énorme. Alors là, évidemment, sur cette maquette, vous avez des petits points là qui vont apparaître au fur et à mesure. Les petits points sont encore une fois des graviers. Alors l'histoire elle commence relativement simplement. On va commencer par des alternances de phases où domine le creusement de la vallée et des phases où domine le remblaiement de la vallée. Alors le creusement, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est l'érosion hein, qui va en fait éliminer une partie du socle et le transporter plus loin. Et le remblaiement, bah, c'est que en fait il va y avoir une charge sédimentaire qui va être transportée par ce cours d'eau et qui ne pourra pas être évacuée. Et quand c'est pas évacué, bah, ça sédimente et c'est ce qu'on appelle le remblaiement. Alors la phase 1, elle est simple, c'est je creuse. Donc c'est une phase où domine du creusement. D'accord. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de remblaiement en même temps. Ouais. Hein. C'est une phase où domine le creusement. Le remblaiement, je le fais ici. Voilà. Donc ce sont des sédiments qui viennent de l'amont. Oui, et qui ou sur les versants. Ou sur les versants. Oui. Qui peuvent, bah, en fait, qui vont colmater, qui vont combler l'ensemble de cette plaine alluviale. Alors la phase 2, bah, c'est qu'on va recommencer une phase de creusement. Et je remblais le fond de ma vallée. Donc je m'aperçois déjà que j'ai des sédiments de part et d'autre qui correspondent à un stade où le cours d'eau était beaucoup plus haut et qui forment des plateaux comme ça. Et c'est ça ce qu'on appelle une terrasse alluviale. Donc là, j'ai formé une première terrasse alluviale. La plaine alluviale actuelle, au moment où on vous parle, là, pour la maquette, eh bien, elle est ici. Eh bien, on va recreuser, Yves. Ouais. Donc, une, deux et trois terrasses, la plaine alluviale actuelle. Alors, là, ce qui se passe, eh bien, c'est assez fréquent, ce genre de morphologie, là. Alors, jusqu'à parfois cinq niveaux de terrasses hein, dans le Maine-et-Loire. Et on va se focaliser maintenant sur la plaine alluviale qui est ici, là, la plus récente. Alors c'est un cas particulier parce qu'on l'a vu dans les forages qu'on a regardé sur la B2S. Quand on fait un trou, on a d'abord de la FZ, donc des alluvions récentes qui correspondent à des sables fins. Et en dessous, il y avait des sables grossiers qui correspondaient à la FY. Bon, ça, on va revenir tout à l'heure sur les lettres. Eh bien, c'est parce qu'en fait, ici, pour ce stade-là, tu as eu creusement, mais tu vois qu'on n'a pas atteint le socle. Ah d'accord, donc il reste encore des sédiments. Voilà. Et ensuite, eh bien, il y a eu un remblaiement avec des sables fins. Alors en effet, les terrasses les plus anciennes ici sont en haut, en altitude, et les terrasses les plus récentes bah, sont
sont vers le bas. Alors justement, ces trois terrasses-là s'appellent des terrasses étagées. Et la petite dernière ici, c'est une terrasse qu'on appelle une terrasse emboîtée. D'accord. On voit des bandes qui alternent entre bandes de sédiments, bandes de socle, bandes de sédiments, socle, sédiments, etc. Est-ce qu'on voit ça sur les cartes ? On ne le voit pas tout le temps. Par exemple, on ne le verra pas sur les terrasses emboîtées. Et en effet, le sable de la terrasse supérieure ici peut glisser et cacher, masquer en fait la partie du socle qui est ici. D'accord. Alors les F qu'on voit sur les cartes, on voit des FZ, des FX, des FW. Des... Ouais. Ben là, on va pouvoir justement les écrire. Alors FZ, c'est la partie la plus récente. Bien. Alors tu remarques le point commun, c'est la lettre grand F. Oui. Et la lettre grand F désigne le nom des alluvions. Et les alluvions, donc, ce sont ces dépôts liés au cours d'eau. D'accord. Alors, plus tu t'éloignes de Z, et eh bien plus tu vas vers des alluvions anciennes. D'accord. Et plus tu es, si tu es à FZ, tu es dans les alluvions modernes, ce qu'on appelle l'Holocène. C'est ce qu'on a montré donc à Béoir, par exemple, lorsqu'on a marché sur le sable. Alors, pour les dater, ce n'est pas facile. Il faut regarder le contenu minéralogique, la couleur aussi. Et en effet, l'existence de fossiles. Si par exemple tu trouves un fossile de marqueur ici, à l'intérieur, alors pas en surface, hein, parce que si tu le trouves en surface, ça vaut rien. Il faut le trouver en profondeur, dans le sédiment. On peut dire que cette terrasse est au moins de l'âge de ce marqueur. Oui, d'accord. Voilà. Alors elle peut être plus récente que ce marqueur, hein, mais pas plus ancienne. Les marqueurs, on n'en trouve pas dans les terrasses alluviales, où on peut en trouver là-dedans, dans la dernière. Donc, il y a des personnes comme M. Denisot, par exemple, qui, lui, avait beaucoup étudié les terrasses alluviales du Loir, par exemple, par chez nous. Et il s'était intéressé au contenu archéologique de ces terrasses. À l'intérieur, encore une fois, je répète, hein, c'est à l'intérieur. Les préhistoriens, M. Gruet, etc., tout ça, c'est des personnes qui s'intéressaient à essayer de dater ces terrasses, mais... simplement au travers du contenu en termes d'outils. Maintenant, ces outils ne sont pas fréquents. Et puis, on peut avoir des phénomènes de remaniement, c'est-à-dire que le contenu de cette terrasse, par exemple, si le marqueur il s'est déposé et formé en même temps que cette terrasse, eh bien, c'est bien, mais lorsqu'il y a eu l'érosion de cette terrasse, eh bien, le marqueur peut se retrouver dans la terrasse du dessous. La couleur aussi. Alors, pourquoi la couleur ? Parce qu'on s'est aperçu que les terrasses les plus élevées étaient souvent plus rubéfiées. C'est-à-dire de teinte rouge, c'est lié à la présence d'oxyde de fer. Et puis autrement, tu l'évoquais là, c'est le cas particulier des zones où il y a des coulées de lave. Alors ça, c'est quand on a une coulée de lave. Alors dans le Maine-et-Loire, ça va être un peu compliqué. Mais en Auvergne, en effet, on a réussi à dater des terrasses grâce à des coulées de lave qui recouvraient certaines dépôts d'alluvion. D'accord, alors si je fais par exemple ici une coulée de lave... Ouais, avec ça, quoi. Avec ça, coulée de lave. Ouais. Eh bien, si tu peux dater ta coulée de lave, parce que ça, c'est possible avec les chronologies absolues, eh bien, tu peux dire que la terrasse qui est en dessous est antérieure à la coulée, puisque elle est recouverte par la coulée. D'accord. On peut faire aussi des datations absolues sur les terrasses, à condition de trouver des éléments carbonés qui soient préservés de l'oxydation, etc. Et à l'intérieur, encore une fois, pas en surface. En surface, ça vaut rien. Ouais. Faut trouver à l'intérieur des fragments de bois que tu puisses dater. Mais tu vas pas remonter bien loin. Ça, c'est le premier problème. Mais il existe une nouvelle technique. C'est sur les grains de quartz. Alors, les pauvres ont subi un bombardement lorsqu'ils étaient à la surface. Imaginez que c'est simplement un grain de sable. Et là, aujourd'hui, il y a du soleil. Et ce grain, il est à l'extérieur. Et comme il est à l'extérieur, eh bien, il va recevoir un rayonnement. Et ce rayonnement, en fait, il va le garder en mémoire. Tu recouvres le grain, eh bien, là, il n'y a plus de rayonnement qui va être reçu par le grain. Et en fait, il va garder en mémoire le dernier moment où il a eu ce rayonnement. Et actuellement, on a des techniques qui arrivent à récupérer le grain. Alors, vas-y, récupère le grain, mais il mélange toujours à l'obscurité. On le garde à l'obscurité. Voilà. Et tu fais une analyse, en fait, du rayonnement qui reste à l'intérieur de ton grain.
Alors, tu as trouvé combien? Ouais, c'est écrit ESR. Voilà, ESR. Et c'est la technique, en effet, qui permet, à partir de la mesure que tu vas faire sur le rayonnement résiduel à l'intérieur de ton grain, eh bien, ça va te permettre de retrouver l'âge de l'enfouissement. C'est une tuerie, hein? Ouais, c'est une tuerie, oui. Alors ça, c'est une technique qui est relativement récente et qui a été appliquée sur les terrasses alluviales et qui a permis d'abord de vérifier que les terrasses les plus anciennes sont bien les plus élevées. Donc c'est acté grâce à la chronologie absolue. Les datations qui ont été réalisées grâce à l'analyse des grains de quartz dans chacune des terrasses, par exemple sur la Loire, eh bien, a montré qu'il y avait une relation entre l'âge de ces terrasses et certaines phases des cycles glaciaires-interglaciaires. Alors concrètement, on a plus des phases de creusement pendant les périodes glaciaires et le remblaiement vers la fin de la période glaciaire, ce qu'on appelle la période pléniglaciaire. C'est là qu'on a le maximum d'extension des glaces. D'accord. Alors en quoi les phases glaciaires sont responsables de phases de creusement? Pendant les phases glaciaires, et notamment lorsqu'on a le maximum d'extension, des glaces, des calottes, oui. Eh bien, en fait, tu as moins d'eau dans les océans. Et en effet, le niveau marin a pu être à la dernière glaciation. Tu abaisses le niveau marin, bah, tu incites en fait les cours d'eau à creuser plus en aval, et ensuite, par érosion régressive, eh bien, ça creuse vers l'amont. Mmh. Alors, les travaux récents qui ont été menés sur la Loire, par exemple, tu citeras l'article. On aurait donc des phases de creusement pendant les phases glaciaires, donc le creusement, et le remblaiement initial par des graviers. C'est-à-dire que le cours d'eau n'a pas suffisamment d'énergie pour évacuer ces graviers. D'accord. Qui arrivent en quantité importante. Donc ils se déposent. Les périodes interglaciaires, elles, sont caractérisées par des sédiments beaucoup plus fins. Et un creusement très faible, compte tenu du fait que le niveau marin, il est revenu à un niveau plus élevé. D'accord. Et donc le pouvoir érosif du cours d'eau est plus faible. Eh bien, en partie, les terrasses alluviales de la Loire reflètent les variations de cycle climatique et donc les variations des cycles astronomiques de la Terre. Et moi, je trouve ça extraordinaire, c'est-à-dire ces variations d'excentricité, d'obliquité, de précession des équinoxes sont enregistrées partiellement au niveau des terrasses. Ouais, alors moi je te mettrais une autre hypothèse, mais et si en amont c'était plus haut, ça, c'est une hypothèse possible ou pas? Dans l'ouest de la France, eh bien, le niveau du socle n'est pas stable, quoi. D'accord. Alors certaines zones se sont effondrées, d'autres remontées. Et en effet, si tu remontes ton socle comme ceci, pouf, oui. Eh bien, tu vas inciter les cours d'eau à creuser un peu plus en aval, encore une fois, et puis ensuite par érosion régressive vers l'amont. D'accord. Donc, moralité, il n'y a pas que les hypothèses climatiques qui sont en cause dans la formation de ces terrasses alluviales, mais également des hypothèses tectoniques, et on pourrait dire pourquoi pas les deux, mon capitaine. Ouais, exactement. On appelle ça de l'alluvionnaire, globalement. Et ce sont des matériaux qui sont très recherchés parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de les casser. Ils sont déjà, déjà fragmentés, d'accord. Ils ne sont pas cimentés. Donc, il y a juste à les tamiser. Donc, on les met sur un crible et on récupère. Oui. En plus, il y a un autre avantage, c'est que ces graviers-là qu'on va récupérer, ils sont arrondis. Donc, il y a certaines applications qui vont être intéressantes, notamment pour mettre dans des cours, dans des allées. Parce que tu peux tomber dessus, tu ne vas pas te faire trop mal, quoi. Dans la Loire, est-ce qu'on a le droit d'exploiter les sables? Non, malheureusement, on s'est rendu compte que l'exploitation du sable qui a eu lieu pendant pas mal de temps a eu des effets sur l'érosion. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. D'accord. Et donc, actuellement, il est interdit de prélever directement dans la plaine ici où il y a les sédiments les plus fins. D'accord. Donc, on remonte au niveau d'une terrasse. Alors là, ces niveaux de sable ici, là, de sable et de gravier, sont des aquifères potentiels. Alors un aquifère, c'est quelque chose qui porte l'eau. Alors tiens, je te laisse tenir le verre. Hop là. Voilà, donc il y a du sable dedans. Oui. Et tu vois que je peux mettre de l'eau. Et regarde ce qui se passe. Ah bah ça rentre dedans.
Ouais, on va attendre un peu. Il y a des trous dans le sable ? Absolument, ouais. Et en fait, à l'intérieur de ce sable, eh bien après, je peux mettre une paille et le pomper. Donc, il se trouve que dans le Maine-et-Loire, mais pas que, hein, eh bien, il y a certains aquifères qui se trouvent localisés à l'intérieur de ces... il est tombé, lui. Oui. De ces terrasses alluviales. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et que cela vous donne l'envie d'aller sur le terrain, parce que la géologie, c'est le... C'est le terrain. Terrain, c'est tout. Voilà. À bientôt.